Yesu naye eba inayo Enga moko te Motona memi eba inayo Moteme lingi ye Naye bia zana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur C'est parfois insupportable Qui fait mal à la tête A Christ même le Saint-Esprit Mena kouti eba inayo Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na sengyo sala yengolu, bisika banda ki kokwea. Eko ma poem fona ye, moteme lingi ye. Ye oyo, o lingo ndanga ye oyo. Nalota kyango na ndoto, lo sambo e futi pe ngayo. Ye oyo. Bombe sili ye oyo Hata bambonge ye oyo Elamba yango yo Thank you.
cérémonie étant solennelle, officielle et publique, la loi nous oblige à la débiter par l'hymne national. Pour Congolais, 1, 2. Pour l'indépendance, ce berceau d'enfant, longtemps courbé. Vous avez la joie. Oui. Vous avez réellement la joie. Oui. Nous commençons la cérémonie par la présentation des futurs époux. Nous demandons aux époux en Zulouni, Sosioti, Christian Asselineau. Pour un dossier de mariage civil ont été versées et cela au grand complet par chacun de ces couples. En deuxième lieu, nous n'avons reçu aucune opposition contre la célébration de l'un de ces mariages dans les délais prescrits par la loi. Et bien pour ces deux raisons, nous nous trouvons en droit de consacrer l'union de chaque couple. Nous vous demandons d'applaudir les deux couples. L'article 349 du Code de la famille vous dit ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Le petit commentaire que nous faisons parle de son premier alinéa. Au premier alinéa, la loi vous dit que le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme et un homme. Ce mariage-là, qui unit un homme à une femme, auquel vous vous engagez librement aujourd'hui, s'appelle mariage monogamique. Le caractère monogamique de votre mariage est sacré. Vous êtes tenu de le préserver et cela à tout prix. Concrètement, papa est remarié. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas aimer une autre femme. Tu vas donner ton cœur à celle qui est à ta gauche. Tu vas lui apporter tout ton amour.
maman heureuse mariée, à part aujourd'hui, tu ne vas pas aimer un autre monsieur. Tu vas donner ton cœur à celui qui est à ta droite, tu vas lui apporter tout ton amour. C'est pour vous dire que le caractère monogamique de votre mariage sera préservé par la fidélité. Voilà, maintenant, il y a une question importante qui se pose. Pour combien de temps vous vous engagez dans ce mariage? Vous vous mariez aujourd'hui pour une année, vous vous mariez aujourd'hui pour deux jours, ou vous vous mariez aujourd'hui pour deux jours. Et bien, le deuxième alinéa de l'article 349 du Code de la famille donne la réponse à cette question. En vous disant ceci, l'homme et la femme, ils s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès des vrais naturels. C'est pour vous dire que votre mariage commence aujourd'hui, 22 juillet 2022, mais ça se termine le jour de la mort. Entre-temps, vous êtes tenus de passer toute la vie ensemble. Mais la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite de bonheur et de malheur. Pendant le bonheur, soyez mariés. Pendant le malheur, restez mariés. Que le bonheur ne vous sépare pas et que le malheur non plus ne vous sépare pas. On applaudit les mariés. À partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour, ça signifie que par ce mariage, vous devenez une seule et même personne. Vous réalisez l'équation 1 plus 1 égale 1. Mathématiquement impossible, mais par la magie de l'amour et du mariage, cela devient possible d'avoir les enfants, tout en souhaitant à chacun de vos couples une très grande progéniture. Je voudrais aussi vous rappeler que les enfants assurent la continuité de votre image et de votre nom sur la terre des hommes. Voilà pourquoi vous devez faire bénéficier aux enfants que vous aurez d'un meilleur encadrement, d'une bonne éducation et d'une très bonne instruction pour que demain plus tard, ils portent votre image, ils portent votre nom, mais avec honneur et fierté. En attendant, la loi portant protection de l'enfant, à son article 16, vous incombe l'obligation d'enregistrer à chaque naissance les bébés qui arrivent au bureau de l'état civil de la commune de votre résidence. Donner la vie à un enfant, c'est bien. Lui assurer ses droits, c'est mieux. Le premier droit à assurer à un enfant, c'est de lui délivrer son acte de naissance, qui est un document juridique qui reconnaît à un enfant son papa, qui reconnaît à un enfant sa maman et qui lui donne droit à la succession. Voilà, nous lisons l'article 444 du Code de la famille. Cet article vous dit ceci et remarie. Le mari est le chef du ménage. La loi vous établit chef de la famille que vous allez fonder avec votre épouse. Mais à côté de ce pouvoir, la loi vous soumet à une protection mutuelle. Papa est remarié, à partir d'aujourd'hui, tu vas protéger ton épouse. Tu vas veiller à sa sécurité, tu vas veiller à sa santé et tu vas pourvoir à ses besoins. Maman heureuse mariée, à partir d'aujourd'hui, tu vas protéger ton épouse. Tu vas veiller à sa sécurité, tu vas veiller à sa santé et tu vas satisfaire à ses besoins. Voilà donc, pour terminer, nous lisons l'article 453 du Code de la famille ensemble et d'assurer la consommation du mariage. Le mariage auquel vous vous engagez aujourd'hui doit être consommé. Et pour qu'il soit consommé, vous devez vivre ensemble, vous devez habiter ensemble et vous devez dormir ensemble. On applaudit les mariés.
Baruch Hu Judith, ici présente, comme votre épouse. Oui, j'accepte. On applaudit. Baruch Hu Judith, acceptez-vous de prendre M. Anjou Nicotien, ici présent, comme votre époux. En ma qualité de l'officier de la commune de Gatéon, je déclare que M. Anjou Nicotien et mademoiselle Baruch Hu Judith sont unis légalement par le mariage civil en date de 22 juillet 2022. Mes très sincères félicitations, embrassez-vous. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Devant nos familles respectives ici présentes, nos amis. La première fois que je t'avais vu, je t'avais dit que tu serais la fin de ma vie. L'amour est ce que je ressens quand je te regarde dans les yeux. Je te promets de t'aimer malgré tes défauts. Et je promets d'essayer d'aimer dans les yeux que tu es. Qu'elle s'élève. Maman, vous confirmez cette dot? Oui, je la confirme. On applaudit la maman. Tenez affectueusement votre épouse et vous la faites asseoir à votre droit. Assoyez-la.
dans Paris sont invités à la signature comme témoin. Voilà, mesdames et messieurs, après le consentement devant moi et après la signature de l'acte de mariage, mademoiselle Akake est devenue madame Le Socha. Nous applaudissons le couple Le Socha. Mademoiselle Baruku est devenue madame Anzuluni. L'article 459 du Code de la famille recommande à chacun de vos couples le respect mutuel, la fidélité mutuelle, la considération mutuelle, mais surtout l'affection mutuelle. C'est donc sur ces quatre valeurs que je vous demande de graver dans vos cœurs et d'observer tous les jours dans votre vie conjugale que nous terminons la cérémonie. Nous passons au tirage des photos souvenirs et nous Les parents Azouni, vous venez à la photo, mettez pas ma droite. Yeah.
marque le mariage civil de Christian et Judith, vous accueillir ici chez nous. Pour la petite histoire, Judith est considérée comme ma propre fille, parce que son père, c'était comme un père pour moi, comme un grand frère pour moi. Et sa disparition était un événement très douloureux pour moi, pour ma femme et pour ma famille. Aujourd'hui, je suis très heureux, toute ma famille est heureuse, que les enfants ont grandi et que voilà aujourd'hui Judith se marie. J'ai voulu démontrer ce marque d'attachement à la famille Baroukou, de recevoir la famille Anzuluni et la famille Baroukou chez nous. Ici, c'est la maison de Judith. Et de Christian, bien sûr. Voilà, il n'y a pas beaucoup de discours à faire. On va faire, madame va faire une petite prière et puis on va partager le petit verre et le petit repas que nous avons préparé à l'honneur de Christian et de Judith. Merci beaucoup. Demain, nous serons à l'église. Les prêtres vont bénir. Mais avant qu'on aille là-bas, il y a les parents qui doivent bénir. Et nous sommes les parents qui vont les accompagner durant ce long voyage, ce périple qui est le mariage. Alors avant de commencer toute chose, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons remettre ces moments et toutes les cérémonies. On vient de terminer, d'en terminer une, et il reste encore la dernière étape, c'est demain, le matin, et puis à la soirée. Nous allons demander la grâce divine, que le Saint-Esprit nous accompagne, nous guide dans tout ce que nous allons faire. Tendre Père, nous te disons merci. Si nous pouvons nous lever pour honorer le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ta présence en ce lieu. Saint-Esprit, tu es celui qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Tu es le maître de temps et des circonstances. Papa, je te dis merci. Amen.
Bonjour à tous, moi c'est Nina, la belle-sœur de Christian, la femme de son grand frère Mbondo Célestin. Mais moi je connais Christian, ça fait plus de 20 ans. Et aujourd'hui c'est un grand jour, Christian se marie avec Judith, ils vont former un couple, on leur souhaite vraiment le bonheur. Longévité, beaucoup d'amour, de compréhension, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on a beaucoup d'émotions aujourd'hui, et voilà, on voulait être présent. Voilà. Bonjour, bonjour, moi c'est Francine ou IAP, la grande sœur de Christian. Ben voilà, Christian, félicitations. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, Judith et toi, dans cette belle aventure, une nouvelle aventure que vous commencez, qui est le mariage. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On vous aime très fort et on est là pour vous aujourd'hui. En tout cas, on va bien s'amuser. Allez, bisous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2022. Nous sommes là pour célébrer le mariage de mon jeune frère, notre frère cadet, Christian Angelini. Moi, je suis un de ses grands frères. C'est vraiment une joie énorme de voir cet accomplissement. Le cadet qui a décidé aussi de franchir le cap et de devenir un homme en soi. Je lui souhaite en tout cas beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de sa vie. On est déjà passé par là, on sait ce que c'est. Christian, tes grands frères sont là. Si jamais tu as besoin de conseils ou d'être épaulé pour x, y raison, n'hésite pas en tout cas à faire appel à nous. Je vois encore le jeune Christian d'il y a quelques années et aujourd'hui c'est devenu un homme. C'est une fierté en tout cas pour l'ensemble de la famille. Voilà, c'est un jour mémorable en tout cas parce que comme je le disais, c'est le cadet de la famille et le cadet aujourd'hui nous fait honneur aussi et a décidé de devenir un homme. Félicitations en tout cas pour ton mariage, félicitations à ton épouse. On vous souhaite en tout cas le bonheur, prospérité, beaucoup d'enfants et n'hésitez surtout pas à faire appel à vos aînés si jamais le besoin se fait ressentir. Voilà, heureux mariage, soyez bénis. Merci. Ben, je suis Floribert Nzuluni, l'un des grands frères de Christian. Non, ce que je peux dire, moi j'ai plutôt une anecdote sur Christian quand nous étions plus jeunes. Comme c'est le dernier de la famille, Christian avait tendance à considérer que en fait, c'était un peu le chef de la famille. Nous, nous étions plus jeunes en Belgique et nous sommes rentrés en 96 après 7 ou 6 ans, 7 ou 8 ans. Pour la première fois. Et donc nous arrivons dans la maison familiale et nous n'avions pas, nous, avant de partir, en fait, connu cette maison. Et Christian nous regarde tous en disant « Bienvenue chez nous ». Mais quand il dit « chez nous », il parle de chez lui et ses parents. C'est comme si nous étions finalement des invités. Donc voilà, Christian a toujours été un peu comme notre bébé à tous, hein. C'est le dernier de la famille. Nous sommes fiers de ce qu'il est devenu. Il est clair que quand on est le dernier, on a toujours peur de la manière dont le dernier évolue, parce que c'est le plus gâté, c'est celui pour lequel on a le plus d'attention, autant au niveau des parents qu'au niveau de tous les grands frères. Mais Dieu merci, Christian s'en est bien sorti. C'est un garçon qui a pu terminer ses études, qui est maintenant indépendant, qui va se marier. Et donc voilà, beaucoup de bonnes chances, Christian, beaucoup de bonnes choses. Rester discipliné, surtout garder, comme dit toujours notre père, garder sa dignité dans toutes les situations. Merci. Hello guys, moi c'est Daniel Ieli, les petits frères de Christian. Ben, juste un petit mot en fait. Mon frère, je te souhaite des bonnes chances, des bonnes choses pour l'avenir. Alors, en tout cas, on est content de toi et profite de ton jour et que Dieu vous bénisse. Okay.
c'était des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun d'eux. L'homme donna donc un nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à tous les bêtes. Besoin d'une évaluation de vie. Je ne sais pas si je suis en train de vous dire.
Et c'est de lui que nous devons apprendre comment aimer et vivre le mariage. D'où l'importance du sacrement du mariage. Rappelons-nous toujours que le Fils de Dieu Jésus-Christ a opéré son premier mariage, son pardon, et a opéré son premier miracle lors d'une fête de mariage. En fait, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au deuxième chapitre, les 11 premiers versets. Après cela, dont il est question dans le
Certes, le mariage est indissoluble. C'est à cela que peuvent désormais s'engager aujourd'hui nos deux fiancés, notamment M. Christian et Mademoiselle Judith. C'était une tâche difficile, mais pas impossible. La grâce du sacrement de mariage vous aidera quand surgiront les difficultés inhérentes à la distance. Et je n'ai cessé de répéter pour la tâche. Ce qui nous a passé à l'avenir, tout ce que l'on a dit, tant qu'on est là-bas, mais le même Dieu a sa peine de voir. Peut-être en salle d'amour, c'est pour qu'il mourit par prière à la personne, et les deux, pour l'inattendre de la terre, ça va continuer de voir votre amène. Mais dès à présent, il est bon que chacun connaisse le devoir qui lui est mort en tant qu'époux ou épouse, pour le moins que nous traitons, les devoirs respectifs des époux chrétiens. Pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, pour que le mariage soit vécu chrétiennement et soit réussi, les époux doivent s'acquitter loyalement de leur devoir et de leur autre. La lettre aux Éphésiens rappelle à l'homme son devoir d'être le chef de la famille. À qui celle-ci doit être soumise? L'homme est le chef de la famille, de la femme. Non pas comme un maître de sa vie, mais son esclave. L'homme est le chef de la femme, à l'instar du Christ qui est le chef de l'Église. Être chef aussi n'est donc pas synonyme de domination ni d'écrasement, mais de total dévouement, de service, voire de service. La valeur d'un homme marié ne se mesure pas par rapport à son beau ventre, ni à son argent, mais par rapport au bien-être de sa femme. Pour dire, pardon, le mot, moi j'aime la montre, c'est ce qu'il dit, pour dire, le mot, je dis, content pour le mot, je dis, aux enfants qui t'ont dit, je dis, même dans ton téléphone là, pour le droit de la mort, pour fixer, je dis, quand on est mon ménage, je le fais, si tu ne le cherches pas, je dis, donc tu ne le cherches pas. Ce montagne là, le nom là, le vrai nom là, la justice. Voilà le plus important. Ce pouvoir simple démontre alors une chose plus difficile que ce qu'ils disent sur la part. Aimer sa femme comme le Christ et comme son propre corps. Aimer quelqu'un, c'est s'engager à trouver son bonheur. Il va s'en aller dans le Seigneur que la femme occupe pas un rang inférieur à l'homme, même si elle est appelée à le vivre. Le livre de la Genèse parle de la femme comme d'une être assortie de l'homme. J'ai le droit de rappeler que là où nos traductions modernes parlent de l'être, la Bible laïque emploie plutôt un terme qui se traduit plus exactement par le vige. J'ai dit que votre vige, c'est là où vous partirez de temps en temps, quand vous êtes stressé au travail, avec les embouteillages que nous connaissons par là, votre refuge, vous irez trouver Madame Judith. C'est là où vous aurez de l'eau qui marche dans votre travail. C'est là où vous aurez de quoi manger. C'est là où vous aurez de la consolation. Vous aurez les conseils qu'il faut pour que vous puissiez vous maîtriser, M. Jésus-Christ. Rappelez-vous les enseignants. La femme est donc pour l'homme non seulement une aide, mais aussi et surtout un refuge, un secours. Elle est celle qui donne la joie et la paix. Et laissez-moi j'apprends de confirmer, comme prêtre de l'Église catholique, je connais cette femme. Je le dis comme ça. Je la connais suffisamment. Vous avez fait un bon choix. Et ce choix-là, ne me laissera pas jamais. Je sais ce que je fais. Tout en est croyé. Ça ne manquera pas, ça le verra toujours. Mais, maman, si vous m'écoutez, je lui dirai avec beaucoup de sérieux, maman, Christian a fait un bon choix. Et son père, quand même, c'est vrai. Cette demoiselle-là que vous voyez est celle qui conseille bien. Elle me fait le bonheur de son foyer. Je la connais. Toutes les fois que je partais là pour les enseignements,
la vérité et le pardon. Chers fiancés, c'est grâce à ces quatre moyens que votre amour sera, comme dit le cantique des cantiques, fort dans l'amour. J'aime toujours faire remarquer que, contrairement à ce que le musicien chante souvent, le livre des cantiques des cantiques ne dit pas l'amour est fort plus que l'amour, mais l'amour est fort comme l'amour. Comme on dit, l'amour n'abolit pas la mort, mais en tant que puissance divine, elle a une puissance mortelle. Cela signifie que l'amour demande de mourir pour l'autre, et même de trouver quelqu'un pour qui mourir a dit un sage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous souhaite à tous ces présents, à vous précisément pratiquer le mort, chers français, qui allez maintenant célébrer votre mariage. Je n'avais que la Vierge Marie, celle qui a intercédé pour les nôtres canards, avant ministre votre amour pour le Saint-Égypte, par sa présence maternelle et par son intercession à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous allez maintenant, mes frères et sœurs, dans l'Église, attraper-moi la cérémonie de la bénédiction nuptiale. Déjà quand vous êtes, je vous invite à intercéder pour le groupe parce que c'est le moment le plus sûr. Christian Azoulouni et mademoiselle Judith Lebaou, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Les esprits qui sont en train. Oui. Vous allez vous promettre de méditer pour toute votre vie. Oui, pour toute votre vie. Dans le fait que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous compte à moi. Le couple a dit officiellement devant Dieu que pour toute la vie, je pensais que c'était pour moi de 5 ans, mais ils m'ont dit que c'était pour toute la vie, un motif pour moi de louer le Seigneur. Tous ceux qui sont ici, en plus de Dieu, d'échanger pour nous. Veux-tu être ma femme? Judith, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Christian? Je te reçois comme épouse et me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Il est 10h. 9 minutes 30 secondes, que Christian vient de faire le vœu de recevoir Judith en épouse. Christian, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Je te reçois comme époux et me donne à toi. Voilà, il est 19 minutes et 12 secondes. Mademoiselle, j'ai dit que vous êtes la dernière demoiselle, elle est bien là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment que vous venez d'exprimer, Christian et Judith, en présence de l'Église, que le Seigneur les confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. Je le déclare maintenant marié. Marié, on va te regarder ici. Au niveau de son bataille, on va te regarder ensemble.
Seigneur, notre Dieu, toi qui fais alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et dans la mission à Juifs, qui les porteront à leur nom, mais les garder toujours en paix de l'éternité. Voyez Dieu pour le ciel et le ciel.
que la femme soit à l'homme, soit pour l'homme, il est l'inspirable qui lui correspond, afin qu'il ne soit les hommes mêmes que soi. Nous signifions ainsi qu'on ne met jamais l'homme, il est dit, il t'a appelé d'établir, Seigneur Dieu, tu as sanctifié et lance par un Seigneur mystère, et tu as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Seigneur Dieu, tu as signé l'homme et la femme, et dès l'origine, tu as béni cette union, mais la seule bénédiction qui soit donnée après la paix bénie de la rencontre originaire et la révélation par l'Église. Regarde avec bonté, pense avec eux, et suis le Saint Anzolini. Et ta servante, Madame Judith Barreau, unie par le même mariage, et il est bon de ce couple de bénédiction, on va sauver la grâce de l'Esprit Saint, à ta charité répandue dans leur cœur, qui nous demeure fidèle à l'Église évangélique. Que cette nouvelle Marie, qui est mariée, soit toute paix et tendresse, qu'elle s'épanouisse au nom des cinq femmes dans les conduites à fidèles de gauche. Que son époux lui donne sa confiance, reconnaissant qu'elle est ce diable qu'elle tient avec lui de la grâce de lui et qui la respecte et l'aide toujours comme l'Église a été son Église. Et maintenant, Seigneur, montre en priant, accorde-le d'être fait pour la foi et d'aimer les commandements. Il se garde fidèle l'un à l'autre en rayonnant et rayonnant par la pureté de leur vie, de la puissance de l'évangile de leur corps et qu'ils soient les frères de leur Christ. Que leur union soit fécante, qu'ils se conduisent en parlant justement, que le plus Dieu aille la joie de voir leurs enfants et de leurs enfants, et qu'au cœur de leur pièce, ils parviennent. Thank you.
ciel à des gens de la Bossade qui veulent d'abord ce jardin. Cette ville va représenter messieurs Christian Azouloudi et madame Judith Baou. C'est son manière religieusement en bas en date du 23 juillet de l'année en l'église de la Kinshasa le 23 juillet 2022. Yeah.
to become a Lebanon. Ceux qui nous ont réunis ce soir, nos enfants, nos frères, nos amis, je vais demander à la femme la plus belle de la soirée, elle va se tenir debout parce que je voudrais vous la présenter. La femme la plus belle de la terre ce soir, c'est elle. Elle va se tenir debout. Eh bien, la femme que nous voyons devant nous, elle s'appelle Baroukou Loy Judith. Elle est née à Kisangani le 30 octobre. Elle est originaire de la province du Sud Kivu, territoire de Fizi. Elle est fille du très regretté général-major Baroukou Alimassi, Pascal, qui nous a quittés, la paix à son âme, et de maman Bakusocha Ndale Colline. Puisque ce soir nous fêtons la vie, nous ne célébrons pas la mort, nous allons applaudir très fort pour les parents qui nous ont donné cette très belle dame, s'il vous plaît. On peut voir les représentants de la famille, vous êtes là? Est-ce qu'on peut vous voir, s'il vous plaît? La famille de la femme, vous êtes là? Voilà, applaudissez très fort. Merci.
Elle a commencé son cursus à l'école maternelle. Plusieurs ici n'ont pas fait l'école maternelle. Venait du village, pas troisième primaire. Elle a commencé à la maternelle, primaire, jusqu'aux humanités, latin philo au lycée Sacré-Cœur Gombe. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle est allée à l'université catholique, où elle obtient son diplôme de licence en économie financière. C'est une femme qui connaît l'argent et l'économie financière. Elle est actuellement agent à l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP en sigle, et c'est elle, la plus belle femme de la soirée qui nous a honoré ce soir. J'aimerais qu'on applaudisse très très fort pour elle, s'il vous plaît. Et Madame Sasséa, le monsieur le plus élégant de la terre ce soir, c'est lui, l'homme qui nous a tous réunis. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour lui, s'il vous plaît. Monsieur Anzulu Nimsoski Christian, il est né le 27 août en Belgique, à Anvers. Il est originaire de la province du Sud-Kivu également, territoire de Fizi. Monsieur est fils de papa Anzulu Nimbembe et de maman Amnazo Agrippine. Papa, je crois qu'il a empêché, il n'est pas dans la salle, mais maman est là. Est-ce qu'on peut voir maman, s'il vous plaît? C'est très fort pour les parents, s'il vous plaît. Merci, maman. Il est diplômé de l'Université de Montréal en sciences politiques. Christian est actuellement analyste financier. C'est-à-dire que c'est un couple financier. Et il est actuellement responsable de AG Sécurité. C'est lui, l'homme qui nous a tous honorés ce soir. Pas seulement nous, les familles, les amis. Il a honoré la République démocratique du Congo. Il a honoré le Parlement. Il a honoré le Sénat. Il a honoré l'opposition et la majorité. Il a honoré la CENCO et la CENI. Et bien, c'est lui, l'homme qui mérite vos applaudissements. S'il vous plaît, applaudissez très fort pour lui. Alors, monsieur va prendre sa femme par la main et ça va être leur première danse. Il va la ramener ici sur la piste de danse. Il regarda sa femme et tint sa femme par la main. Sa femme se leva. La marraine libéra l'espace. Le photographe immortalisa la scène. Non, il rata la photo. Eh bien, la marraine tint la robe pour que le pied ne chancelle point. Il attrapa sa femme et le DJ balança. I'm sleeping up, so we can.
parce que nous voulons offrir les présents que nous avons apportés pour eux. Je tenais vraiment à faire cet avis avant que nous puissions offrir les cadeaux que nous avons amenés pour les mariés. Je vais vraiment vous demander, si vous avez des cadeaux à l'extérieur, il faudra déjà y aller pour que nous puissions gagner du temps. Parce que très récemment, nous avons animé un mariage où on a eu un incident. On a appelé la famille de l'homme, on a dit, bon, la famille de l'homme a apporté vos cadeaux. Ils sont tous allés à l'extérieur et ils ont fait 10 minutes, ils ne revenaient pas. Alors comme on courait derrière le temps, je me suis dit, bon, la famille de la femme, vous pouvez remplacer. En attendant, la famille des femmes, ils sont tous sortis. Il faisait 20 minutes. Je dis, ok, d'accord, est-ce que les collègues des services sont là? Oui, nous sommes là. Venez, ils sortent tous. Finalement, ça commençait à faire peur. J'ai dit, bon, on va appeler finalement les amis et connaissances. Venez, ils sortent tous. On est resté à 5 dans la salle, moi, les mariés et les parrains. En attendant, j'ai dit, bon, les parrains vont offrir quelque chose aux mariés. Les deux, ils sortent. J'ai dit, bon, en attendant, je vais aller voir. Moi aussi, j'ai quelque chose, mais c'est à l'extérieur. Donc, je suis sorti aussi. Donc, évitons cela parce que ça nous fait perdre du temps. Donc, si vous avez des cadeaux là-bas, et il faut nous faciliter vraiment la tâche. D'ailleurs, ce soir, on n'a que 4 groupes pour les cadeaux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a les deux familles, il y a les collègues des services et il y a les amis et connaissances. Donc on va tous venir très rapidement pour offrir nos cadeaux aux mariés. De l'homme, avancez avec vos cadeaux. Nous invitons la famille de l'homme, avancez avec vos cadeaux. DJ. Ah, yeah.
Poursuivons avec les officiels, nous invitons les épouses des généraux qui seront bien entendu encadrées de leurs époux. Avancez avec vos cadeaux. Thank you.
Alors là, on va faire la petite, le petit service. On va faire comme le jury fut livré, il prit le pain et rendit grâce. Et donna à sa femme, à ses disciples, qu'est-ce que vous dites ? Enfin, le gâteau. Ils vont prendre un morceau qu'ils vont se partager. Très souvent c'est délicat parce que le morceau n'est pas bien respecté. J'ai animé un mariage à Brazzaville, gâteau quand même morceau gâteau. Alors il fallait appeler les médecins, tout ça. C'est compliqué. On a allumé les flammes là. Et si les souliers brossent. Je vous dis, c'est compliqué le mariage. Organiser un mariage. Madame, vous êtes. Il prit un morceau. Il prit un truc qui manque. La cuillère, cette fois-là. Alors, on va commencer par la femme, comme au jardin d'Éden. La femme prit la cuillère. Elle a peur, elle a pris un petit morceau pour éviter tout incident. L'homme ouvrit la bouche et avala et nous applaudissons. Il marcha d'abord, puis avala. À son tour, l'homme prit un petit morceau. La femme ouvrit la bouche et absorba. Elle marcha, puis avala et nous applaudissons. Après cela, il prit la coupe. Le service brûla la coupe. Attention, il brûla les cheveux de la femme. Tous. Voilà. Ils prirent la coupe. Ils allumèrent la coupe. J'ai animé un mariage champagne, d'accord, je n'oublierai jamais. À la place du champagne, il y avait un guéné. Moi, c'est Amélie Clairon. Ah, c'est moi, Max. Oui, ça y est, Bouma. Voilà. On va servir à boire. Je vous dis, ça dépend des budgets. Hein. Il y a des gens qui mettent vraiment la gueule et puis c'est chaud. Bah, merci pour la vie. Mais ça vient quand même. Voilà. On va remettre les couples mariés. Ils vont croiser les bras et chacun va boire dans son verre. Ils croisèrent les bras et burent. Et nous applaudissons. Ils virent que cela est bon, il y a un soir, il y a un matin. Alors on va ramener les gâteaux vers le buffet.
Y a Cusco, y a Cusco, y a Cusco.
Ah.
Le couple agilite, le monsieur Christian.